Bon les gars, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Comme vous pouvez voir dans le titre, de toute façon, il n'y a pas de secret. J'ai désinstallé League of Legends. League of Legends? Il y a un S au bout de Legends? Attendez. Ah, il y a un S. League of Legends. Non, mais j'étais en stream ce matin, j'ai stream dessus, j'ai fait quoi? 2-3 matchs, je crois. Deux même d'ailleurs, je crois. Et j'ai pas pris de plaisir. J'ai pas ultra pris de plaisir, mais ça fait un temps que voilà, que ça se passe comme ça. Que je fais des games, je prends pas tant de plaisir que ça. Même quand je gagne, au final, c'est pas un grand ouais, c'est trop cool, tu vois. Sans plus. En fait, tout ça, c'est dû au fait que je ne monte pas et que je stagne depuis quand même, bah, maintenant, à peu près un an. Enfin, même si l'année dernière, j'ai fini gold quand même, mais ça reste très peu. Ça reste très petit niveau. Ça fait 2 ans que j'y joue en mode tryhard. J'ai passé énormément de temps sur ce jeu. Alors vous allez me dire, il y en a même au bout de 3-4 ans, ils sont encore bronze limite ou silver. Bon, ouais, ok. Mais moi, enfin, mon but c'était de devenir au moins diamant pour, bah, on va dire que je pense que c'est le niveau où on commence à se faire respecter sur internet. Et puis c'est surtout que moi, c'est un niveau qui m'intéresse. Enfin, à partir du diamant, on peut réussir à jouer un peu avec pas des gens forcément connus, tu vois, mais au moins des gens qui ont du level, etc. Et bah, bref, je pense que c'est à partir de ce niveau-là que le jeu devient vraiment intéressant. Mais je n'ai pas les capacités à, on dirait, tout simplement arriver à ce niveau-là, parce que ça fait 2 ans que je travaille dessus, et si j'avais eu les capacités, bah, j'aurais réussi tout simplement, au moins je serais pas loin, on va dire. Et là, voilà, cette année, je tryhard, enfin, j'ai beaucoup moins joué, j'ai joué, et je suis arrivé en S1, donc Silver 1, 90 PL, et je suis redescendu en Silver 5. Bon, là, je suis Silver 4, je crois. Et en fait, voilà, je trouvais ça, enfin, au final, ça m'attriste. Et du coup, je commençais un peu à tilt, du coup, suite à ça, et à faire un peu n'importe quoi. J'ai dit non, je veux pas faire ça. D'ailleurs, ce matin, quelqu'un m'a dit, tu es toxique. Moi, toxique, les gars. Je pense qu'il y a pire que moi. Hein. Non, j'étais toxique parce que, genre, je faisais un peu n'importe quoi. J'avais juste mute all, mais je disais rien. Hein. Mais j'étais en train de rager tout seul. Et c'est surtout que je faisais n'importe quoi niveau game. Et du coup, j'ai dit, bah non, je veux pas commencer à faire n'importe quoi. Enfin, ça sert à rien. C'est du temps perdu. Et surtout, bah, en fait, j'ai l'impression de perdre mon temps tout simplement à jouer, à gagner des games, perdre des games, gagner des games, perdre des games. Après, il y en a, vous allez me dire, ouais, c'est ça League of Legends. Ça me dérangerait pas si j'étais à plus haut niveau, parce que plus haut niveau, c'est normal que ça soit dur de monter. Mais là, faire ça en silver, ça m'énerve un peu. Voilà, et du coup, je me suis dit tout simplement, ce jeu n'est peut-être pas fait pour moi. Et en fait, pour une fois, j'ai désinstallé le jeu. Et dans tous les cas, alors, je pense que j'y rejouerai un jour, c'est certain, au moins quelques games, je veux dire, peut-être pas tryhard, mais au moins réinstaller le jeu et jouer quelques games. Mais là, j'ai envie de faire vraiment une pause, peut-être de quelques mois, peut-être jusqu'à la prochaine saison, j'en sais rien. Mais j'ai envie de vraiment League of Legends, voilà. Puis en entendre parler pendant un petit moment et attendre de savoir est-ce que ça va me manquer ou est-ce que je vais trouver peut-être un autre jeu de remplacement. Bah, voilà, vous savez déjà que je suis beaucoup sur Fortnite maintenant, du coup ça va devenir un peu mon jeu principal. Mais j'aimerais trouver un jeu à côté. Alors Overwatch j'aime bien, est-ce que je serais un peu tryhard? Mais j'aimerais un autre jeu, peut-être pas forcément de tryhard d'ailleurs, mais un autre jeu qui... En vrai, que je kiffe jouer et que je kiffe partager, du coup, je vais voir ce que je peux trouver. Peut-être un. Voilà, enfin, faut que j'essaye des choses. Peut-être un jeu sur PS4, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais essayer de trouver quelque chose d'autre, justement. Parce que faire que du Fortnite, par contre, ça va pas être possible non plus. J'aime bien Fortnite, mais il y a Céline, voilà, il faut pas faire que ça. Du coup, voilà, bref, j'ai désinstallé League of Legends. Donc vous verrez plus de League of Legends pour l'instant sur ma chaîne, même si je sais que c'est avec ce jeu-là que je me suis fait beaucoup connaître, du coup je sais pas si, voilà, bon, bref, il y en a, ils seront peut-être déçus. Mais par contre il y aura beaucoup de Fortnite, et j'essaie de faire d'autres jeux, enfin, même si je regarde pas un autre jeu forcément, je vais essayer de faire, bah, jouer à d'autres jeux, tout simplement, de faire des vidéos sur d'autres jeux, etc. Voilà, donc dites-moi votre avis, mais voilà, j'ai vraiment besoin de faire cette pause sur League of Legends, parce que j'en peux plus en fait. En fait, c'est le jeu. C'est que ça reste le jeu que je préfère, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est le jeu que je déteste le plus. Et je suis déchiré dans ce jeu. Et du coup, voilà, bref. Je voulais vous en parler et vous le dire comme ça, vraiment face cam, et vous dire pour le pourquoi du comment. Donc là, les deux grosses raisons, c'est que je prends plus assez de plaisir et que c'est que je ne trouve pas que je. Enfin, je trouve que je suis pas assez bon. Tout simplement. Et du coup, ça me frustre. Voilà, et puis bon, après, bon, on passe les toxiques, etc. Ça, on sait de toute façon, mais il y en a dans tous les jeux, il y a un peu ça. Donc on verra, peut-être que j'y rejouerai un de ces quatre. De toute façon, après, le niveau que j'ai à Silver, je pense qu'il n'est pas.
forcément ultra dur à rattraper, c'est-à-dire que même si je joue pas pendant un an, bon, il y aura forcément des changements dans le jeu, etc. Mais si je joue pas pendant un an, je pense que dans un an, si je retryhard un petit peu, je retrouverai vite mon niveau actuel, vu que c'est pas un niveau ultra ouf. Voire peut-être que du coup, je jouerai peut-être différemment d'ici là. Enfin, quand on redécouvre un jeu, des fois, on peut comprendre des choses différemment, etc. Et du coup, ça peut être bénéfique, hein, après, on se fera. Ou peut-être que j'y jouerai plus, jamais, j'en sais rien. Voilà, bref, je voulais vous le dire quand même, comme c'est le jeu avec lequel j'ai commencé vraiment sur YouTube, voilà, je trouvais c'est assez important de dire le changement. Du coup, on se retrouve dans de prochaines vidéos et dans des prochains lives aussi. Et du coup, bah voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine, ciao!